Hello tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui, on est à la gare de Bangkok pour une nouvelle destination. On est donc en Asie du Sud-Est pendant un an, toujours en Thaïlande. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce deuxième récit d'aventure. Donc là, on est à la gare de Bangkok. On a réussi à prendre nos tickets. La gare, elle est vraiment gigantesque. Ça ressemble à un aéroport. On va à Ayutthaya. Et donc, on prend le train de 10h35. Ça nous a coûté 40 bahts pour deux, donc 20 bahts par personne. C'est à peu près 1 euro. 1 euro pour deux. 1 euro pour une heure de train environ. Petit truc à savoir, Google n'est pas à jour. En fait, il y avait une ancienne gare à Bangkok. Quand on tape gare Bangkok sur Google, c'est l'ancienne. Elle a changé depuis le 1er janvier 2023, je crois, mais c'est celle dans laquelle on se trouve, c'est la nouvelle gare. Du coup, ça s'appelle Krut Tep Atiwat. C'est le nom de la nouvelle gare. Donc, c'est celle-ci pour tous les trajets longue distance du nord, enfin qui vont au nord de la Thaïlande et au sud de la Thaïlande. Et nous, on attend notre train. En fait, il faut acheter un ticket, attendre sur des sièges et à un moment donné, le train est annoncé et c'est parti. Repris depuis qu'on est arrivé à Ayutthaya. Donc le trajet en train s'est bien passé, c'était trop chouette en vrai, c'était hyper rapide, je pense qu'on a mis une heure et quart, quelque chose comme ça, une heure à peine pour arriver ici. Ensuite on a été manger, on s'est trouvé une petite cantine pas très loin de notre guest house et ensuite on s'est un petit peu posé à l'hôtel parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui, il y a un ressenti un peu plus de 40 degrés. Et du coup là on est à Ayutthaya, c'était l'ancienne capitale de la Thaïlande, enfin, du royaume Siam, il y a très 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 longtemps. C'était même l'une des plus grandes cités du monde dans les années 1700. La ville a été quasiment rasée par l'armée birmane, je crois, dans les années 1760, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de temples en ruine, en fait, ici. C'est pas très loin de Bangkok, et justement, quand Ayutthaya a été attaquée par l'armée birmane, c'est à ce moment-là où Bangkok est devenue la capitale du royaume. Sur toute la province d'Ayutthaya, il y a environ 375 temples en ruine. Il y en a 6 majeurs, et puis il y a ensuite des ruines un petit peu partout. Là, il est 16h45. Je suis pas sûr qu'on fasse les temples aujourd'hui. En gros, on a deux jours pleins à Ayutthaya, sans compter aujourd'hui. Là, on va peut-être aller se balader un petit peu dans le quartier, s'imprégner un petit peu de l'ambiance de la ville, faire un petit tour au night market pour goûter peut-être des petites douceurs sucrées. Ça serait pas mal, parce que depuis qu'on est arrivé en Thaïlande, on n'a pas goûté de sucré en fait. Non, on a mangé beaucoup salé, mais pas du tout sucré encore, à part des fruits. Donc, allons voir ça. Par contre, la petite face cachée ou la grosse face cachée de l'Asie du Sud-Est, c'est la pollution et les déchets qu'on retrouve comme ça sur un petit peu tous les débords des routes, en fait. Quand on prend le bus ou le train à travers le pays, c'est un petit peu comme ça partout. C'est dommage, mais bon. Ça fait partie de la vie locale, on va dire. Ça fait partie, ouais, j'allais dire du charme, mais c'est pas trop le mot approprié, je pense. Je pense pas que ça soit hyper local, mais c'est bon, c'est des gaufres. Et si c'est local au Cambodge, ils en font beaucoup des gaufres. Ah ouais? Il y a un varan, il est gigantesque, énorme.
On se retrouve après avoir mangé au Night Market de Ayutthaya, c'était trop bien. On a trop bien mangé, on s'est vraiment régalé, on a goûté à plein de trucs. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le Night Market qu'ils préfèrent en Thaïlande. Il y avait une variété de nourriture. Malheureusement, on n'est pas assez calé pour l'instant pour donner le nom des plats, de ce qu'on a mangé. On cuisine pas du tout, hein. À la maison, vraiment pas du tout. On est quand même des grosses quiches là-dessus, donc on adore manger, mais on sait pas cuisiner. Faudrait qu'on révise un petit peu nos plats, nos noms de plats thaïlandais pour pouvoir dire alors ça c'était tel plat, c'est assez dur pour l'instant encore. Sachant aussi qu'on est végétarien tous les deux, on mange pas de viande, pas de poisson, et d'ailleurs ça pose aucun souci depuis qu'on est arrivé là. Enfin, au contraire, par rapport à la France, c'est beaucoup plus simple. En fait, il y a beaucoup de restaurants par exemple qui proposent prendre le plat un petit peu, par exemple le pad thaï, le plat phare qu'on retrouve partout en Thaïlande, souvent dans les restos ou dans les cantines. On dit cantine, en fait, c'est les espèces de petits. Les petits boui-boui, ouais, au bord de la route. Souvent, ils proposent le pad thaï et ensuite, donc vegetable, porc, chicken, et en fait, tu choisis. Donc, et parfois, t'as tofu. Parfois, t'as toute une carte, et c'est assez souvent le cas. Adaptable. Tu peux tout prendre avec juste des légumes, quoi. Ouais. Pour ce qui est de notre logement, où est-ce qu'on dort à Ayutthaya, on est à la Siri Guest House. On paye 15€ par nuit, sachant qu'on reste 3 nuits. Pour l'instant, donc là, c'est notre première nuit et la chambre, elle est vraiment super cool. La salle de bain est à l'extérieur. C'est hyper bien, honnêtement, pour le prix, le personnel à l'accueil quand on est arrivé. Très gentil. Hyper sympa. On a hâte d'être à demain pour visiter vraiment la ville, ouais, et tous les temples à l'intérieur. On se retrouve ce matin pour notre première journée pleine à Ayutthaya. Le programme aujourd'hui, là il est assez tôt, il est 8h30 je crois. Le programme aujourd'hui, ça va être de faire tous les temples qu'il y a vraiment dans le centre historique. Vraiment, il y a un parc historique au centre de la ville. On va faire tous ces temples-là. En général, à Ayutthaya, les gens restent une journée et ils louent un vélo pour tout faire à vélo. Nous, on préfère prendre le temps. C'est pour ça qu'on a pris 3 nuits. On a donc 2 journées pleines. Et donc, on va le faire à pied pour vraiment prendre notre temps et profiter. À Ayutthaya, il y a 6 temples qui sont payants. C'est environ 50 bahts par temple, mais vous pouvez aussi acheter un pass pour faire tous ces temples-là. Et le pass coûte 220 bahts par personne, ce qui est du coup un peu plus rentable que de payer temple par temple. On est actuellement au Wat Pra Mahathat. C'est l'un des plus vieux temples d'Ayutthaya qui a été construit au 14e siècle. À l'époque, c'était un temple royal. On dit qu'il a même accueilli des reliques sacrées du Bouddha. Il a subi un petit peu les foudres. Il y a eu une guerre avec la Birmanie, en fait. Très très joli, très impressionnant. On vous a montré la tête de Bouddha qui était incrustée dans l'arbre. C'est le symbole d'Ayutthaya. On visite les ruines, mais ça a l'air immense. Et on peut un peu s'imaginer comment c'était à l'époque. À mon avis, c'était assez grandiose quand même. Voici le Wat Ratchaburana. C'est un temple khmer situé en plein milieu du centre-ville d'Ayutthaya. Il est vieux d'environ 600 ans. Il a été conçu à la fois comme un lieu de culte et un crématorium. C'est un temple bouddhiste. Vu qu'ici c'est un temple khmer, on retrouve plein de nagas. Ce sont des statues en forme de cobra qui sont parfois à une tête, parfois à plusieurs têtes. Et dans la religion bouddhiste, c'est le naga Musilanda qui a protégé le Bouddha quand il avait atteint le nirvana. En fait, il s'est mis au-dessus de lui, un petit peu en parapluie, pour le protéger de la pluie et des tempêtes pendant qu'il était en pleine méditation dans la jungle. Et du coup, dans tous les temples khmer, le naga est archi représenté partout, un peu comme des gargouilles au coin des temples ou alors même sur des rampes d'escaliers ou de marches. Il y en a vraiment partout des nagas. J'adore l'histoire du naga. Thank you.
Il est midi 20 à peu près, on s'est baladé là toute la matinée dans le parc historique d'Ayutthaya. C'est vraiment magnifique, ça fait tellement du bien d'être dans une ville un peu plus à taille humaine, avec moins de monde. Juste un truc dont on voulait vous parler, il y a ici des balades à dos d'éléphant au sein du parc. On vous déconseille évidemment vivement de participer à ce genre de commerce, puisque c'est une quand même très grosse exploitation animale. Les éléphants, ils sont détenus dans des conditions catastrophiques, ils sont récupérés très jeunes, ils sont éduqués, si on peut appeler ça comme ça, mais maltraités. Donc vraiment, je pense que c'est très cher en plus. Ne participez pas du tout à ça. Si jamais vous avez vraiment très envie de voir des éléphants en Thaïlande, vous pouvez en voir, je crois, à Chiang Mai. Il y a des sanctuaires, mais il faut aussi faire attention aux sanctuaires d'éléphants, parce que, étant donné que la cause animale développe de plus en plus dans le monde, voilà, les balades à dos d'éléphants, ça perd du business et monte la concurrence des sanctuaires. Donc il y a un peu des faux sanctuaires où la maltraitance est pareil. C'est juste que vous montez pas sur l'éléphant, mais vous allez les voir dans les rivières, ils vont se faire des petites douches devant vous, mais en fait tout ça c'est des shows. Ils ont appris à faire ces mouvements là pour que vous trouviez ça beau. Mais il faut faire des recherches, il faut vraiment trouver le bon sanctuaire et ne pas se dire que parce que ça s'appelle Sanctuary, c'est un bon endroit, puisque voilà, c'est un nouveau business d'appeler ça sanctuaire. De toute façon, c'est assez simple d'éviter ce genre d'attraction touristique. Des éléphants dans une ville. Voilà, l'indice est clair. Avec des gens sur leur dos dans une petite cabane. La place des éléphants, c'est dans la nature, en liberté, évidemment. Ouais. C'est tellement compliqué de savoir exactement comment est-ce que les animaux sont traités réellement que, dans le doute, nous, on préfère pas du tout participer à ce genre de choses, en fait. Allez, on vous retrouve plus tard. On est au Wat Pra Si Sanphet, qui est le plus grand temple d'Ayutthaya. Il servait de palais royal à l'époque. C'est un temple bouddhiste qui a été construit au 15e siècle. C'était du coup le palais royal et c'est très beau. C'était vraiment délicieux. Surtout les trucs frits. Il y en a beaucoup en Asie du Sud-Est. Là, depuis le début, on avait surtout mangé du riz et des nouilles sous différentes formes. Mais on a mangé des espèces d'oignons qui étaient frits. Ça faisait plein de petits filaments comme ça. C'était super bon. Et là, il nous reste deux temples qu'on voulait voir absolument. Donc, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est les temples qui sont le plus excentrés de la ville, on va essayer d'aller négocier un tuk-tuk parce qu'il fait très chaud quand même pour prendre le vélo. On verra bien. Ouais. Là, on vient de prendre un tuk-tuk. On a réussi à négocier. Bon, c'est un petit peu plus cher que ce qu'on pensait. Je sais pas trop si on s'est fait avoir, mais en tout cas, on a réussi à bien baisser les prix, donc ça nous va. En gros, on paye 10 euros au total pour 2 heures de tuk-tuk. C'est une petite dame qui conduit, qui est très gentille, et elle va nous amener aux deux temples les plus éloignés d'Ayutthaya, ce qui nous reste à faire avec le pass qu'on a acheté hier. La dernière fois qu'on avait fait vraiment du tuk-tuk, c'était au Cambodge il y a un an et demi. Du coup, on est content parce qu'on adore ce mode de transport. En fait, à chaque fois, quand on vous dit que tel truc, telle activité ou tel restaurant, etc., c'est cher, si vous venez là en vacances 15 jours, 3 semaines, 1 mois, vous aurez un budget beaucoup plus important que nous pour un an. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo un peu dédiée sur la prépa du voyage, la prépa de l'itinéraire, oups, je suis complètement partie, la prépa du voyage, de l'itinéraire, du budget, tout ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je sais pas si on la préparera tout de suite parce qu'on est vraiment qu'au tout début. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Allez, on va voir les temples maintenant. On est
arrivé au Wat Chai Watanaram. C'est un temple qui a été construit en 1630 par le roi Prasat Tong pour honorer sa mère. Et en fait, il est construit de façon à répliquer un petit peu les temples d'Angkor au Cambodge. De toute façon, on voit que même en Thaïlande, là, tous les temples d'Ayutthaya qu'on a fait, il y en a beaucoup qui sont inspirés des temples d'Angkor et de l'architecture khmer. On peut le repérer parce qu'en fait, il y a un grand pylône central. Des pains de sucre. Qui sont en fait entourés d'autres plus petits. Comme ça, à chaque fois. Et c'est censé représenter le mont Sumeru, qui est la mère montagne dans la culture hindouiste. On est à Wat Phutai Sawan, un temple tout blanc. Il date de la période post-Ayutthaya. Du coup, il est un petit peu plus récent que certains et un petit peu plus vieux que d'autres. Ça, c'est de l'information. Merci, Jamy. Et ça, prenez-le bien en compte parce que... C'est pas si vieux, c'est pas si récent. Ce qui est assez intriguant avec ce temple, c'est qu'il est entouré... Donc il y a le pain de sucre blanc au milieu et en carré comme ça tout autour, comme un genre de préau. Et vous voyez du coup tous les bouddhas dorés qui font tout le tour du temple. Ça donne un côté un petit peu mystique au lieu. Et en fait c'est comme ça vraiment tout autour du temple. Des deux temples qu'on voulait voir qui sont un peu plus excentrés d'Ayutthaya. En tout cas, Ayutthaya, c'était vraiment trop cool, très beau, de très beaux temples. Le tutuk nous a déposé au Night Market et donc on va clôturer la vidéo ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo en direction de Phukotai. On espère en tout cas que ce petit séjour à Ayutthaya vous a plu. Si vous avez des questions sur Ayutthaya ou des questions sur ce qu'on a pu filmer, Kopkunka. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis on répondra si on peut vous aider. Tant mieux. À mettre un petit j'aime et à vous abonner, activer la cloche, tout ce genre de trucs quoi. Là, les trucs des youtubeurs. Bon. Salut. Salut.